Bérou a une question pour vous, Marcella. Oui, parce que voilà, alors être en couple avec moi-même, moi en ce moment, j'ai pas le choix. J'avoue que ça me fait drôle d'être en couple avec quelqu'un à qui je peux pas simuler. Mais c'est vrai que le grand amour, c'est le grand amour. Je commence une phrase, hop, je la termine. Je lis dans mes pensées, je ne m'engueule jamais. À croire que je suis une seule et même personne. Alors c'est sûr, c'est bizarre, c'est la première fois que je suis en couple avec une femme. Mais ma question, c'est pas ça. Je voudrais savoir, Marcella, c'est une question que je vous pose du fond du cœur. Si demain vous rencontrez l'homme de votre vie, parce que si ça se trouve, il existe et vous allez le rencontrer demain, est-ce que vous écrirez un tome 2, une suite à votre livre pour vous excuser de en fait ça existe? Je pense que je le ferai, mais je ne le ferai jamais parce que vous savez, j'ai tellement eu d'expériences amoureuses dans ma vie. Ouais. Mais tellement, c'est-à-dire combien? Non, mais on va pas compter, en fait, parce que là, c'est pas... Un jour, je ferai un livre où je compterai tout. Ah oui! Ça s'appellera un dictionnaire. Non, ça vous met en joie, voyez, d'y penser, voilà, Marcella. Oh là là, monsieur, parce que c'est... Marcella, écoutez... Vous avez de quoi noter? Oui. 06 99 30. Alors, il y a Laurent Barra qui a une question pour vous. On terminera là, Marcella. Moi, effectivement, j'adhère pas à tout ce que vous dites, puisque maintenant, je crois vraiment en l'amour et au partage. Mais c'est vrai que je suis en couple avec moi-même depuis un petit moment. Et je comprends, parce que je fais des auto-analyses sur moi-même, je comprends ce que me reprochaient mes ex. Voilà, c'est vrai que je suis égoïste, je pense beaucoup à moi. Je me fais des cadeaux, je me fais des masques de beauté, je me cajole, je prends soin de moi. Et oui, c'est comme ça. Mais mon ex avait raison quand elle me disait qu'il n'y a que moi qui peut me supporter. Mais vraiment, je n'ai pas de questions à vous poser, mais je vous demande de croire encore en l'amour parce que c'est possible. Voilà, j'y crois encore, comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais l'amour, vous savez, l'amour qu'on peut... Moi, je me dis, moi, j'éprouve un véritable amour envers moi-même. Avant, je ne l'éprouvais pas parce que je pensais qu'il me manquait quelqu'un d'autre. Moi, je comprends. Il me fallait un autre pour m'aimer à travers lui. Est-ce que je peux vous appeler en FaceTime quand on sera bien, bien en confinement? Voilà, vous avez trouvé deux fiancés, Marcella Yacoub. Non mais là c'est gentil, merci. Ne serait-ce que fantasmatiquement, pourquoi pas en fait. Ah. Mais voilà. Oui. Mais simplement je vais vous dire que les gens ont tendance. Je pense que c'est très classique. On a besoin de s'aimer à travers l'autre. Si il n'y a pas un autre qui vous dit je t'aime, voilà. On ne s'aime pas. Et moi j'ai dû traverser cette épreuve en fait de dire il n'y a personne qui m'aime. Alors j'ai commencé à m'aimer moi-même, c'était un coup de foudre, hein, des folies. Ah oui? Non, mais c'était vraiment une passion, un coup de foudre, un amour fou, en fait. Je dis, elle m'attend chez moi, enfin, je le raconte avec beaucoup de détails dans le livre. Oui. Eh bien, on recommande à tout le monde. Et pourtant, c'est pas. Je vois, Anne Romano, que vous avez l'air un peu dubitatif. Pas du tout, on vous envoie le SAMU. Comme si j'étais une schizophrène ou quelque chose. Non, j'ai pas dit que vous étiez schizophrène. On vous embrasse toutes les deux, en tout cas. Marcella Yacoub, merci de nous avoir parlé au téléphone. On rappelle et on conseille à tous les confinés qui nous écoutent de lire votre livre En couple avec moi-même, qui est sorti aux éditions Léo Cher. On peut le commander sur les plateformes, puisque les librairies sont fermées en ce moment. Merci, Marcella Yacoub. Merci à vous. Et bon confinement avec vous-même, hein. On vous embrasse. Merci, et vous aussi. À bientôt, merci. Au revoir. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin, et nous, on espère être de retour parmi vous demain à 11h sur Europe 1.